DC Carion, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et une autre chaîne que j'aime pas. On se retrouve avec Dalongo pour une nouvelle petite série Minecraft, les couillons. Hein? Ouais, bah salut à toi Cario, puis salut à tous sur ma chaîne. Alors comme a dit Cario, on se retrouve pour faire les couillons sur Minecraft, c'est la saison 2. Sur ma chaîne gaming que j'avais avant, j'avais fait les casseux sur Minecraft. Là on a décidé un petit peu de renommer les couillons. Donc on joue en 1.10, donc vous pouvez voir qu'on a la petite mascotte de la saison, donc Winnie l'ourson. Donc le but de la série, on va se donner des objectifs, genre par exemple à l'épisode 4 ou 5, aller dans le Nether, etc. On pourra avoir des invités puisque le serveur peut héberger un nombre illimité de personnes. Personnellement, sur ma chaîne, je vais faire des cuts quand je mine du bois ou quand je fais du minage parce que c'est peut-être pas très intéressant. Mes vidéos vont durer entre 10 et 15 minutes. Après, pour Cario, je sais pas. Bah moi ça va être pareil. Déjà commencé à miner du bois. Donc, bon, là, on va faire. Moi, j'ai fait une petite ellipse, les gars, pour. Parce que là, miner du bois, ça sert pas à grand-chose. On va essayer de filmer un petit peu chacun de son côté pour que vous ayez deux vues différentes et pas deux fois les mêmes vues. Donc on verra quand on règle chacun de son côté. Donc j'espère que cette série vous plaira. Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des objectifs pardon, à nous donner, si vous voulez nous voir faire des choses. N'hésitez pas à commenter aussi si vous voulez venir sur le serveur pour faire un épisode spécial avec nous. On vous donnera du stuff et on pourra faire du PVP ou des choses comme ça. Du coup, moi je fais une petite ellipse, le temps de me stuff et d'aller chercher de la bouffe. Et on se dit à tout de suite. Je me dis, en voyant, vous voyez là le trou les gars. Je me dis, cool, il y a une mine. Je descends, je vois de la lave, je mets ma table de craft. Je suis pour descendre. Ma bite. On se retrouve pour vous montrer le compteur de mort. Donc à droite, vous avez un compteur de mort. Et idem dans le tab. Allez, c'est l'heure du déménagement les gars. Au revoir mon nounours. On déménage parce que le biome taga, ça me va bien 5 minutes, ça me casse les couilles. Donc on va prendre les coordonnées. Voilà. Tu aimes le biome taïga. Voilà, j'ai pris les coordonnées, donc on ne t'inquiète pas, on viendra te revoir, Winnie l'ourson. Puis ça s'appelle vraiment Winnie l'ourson. Donc ce n'est qu'un au revoir. Bon allez les gars, j'en profite que l'autre cassos n'est pas là, donc j'ai trouvé un biome savane, donc on va s'y installer parce que j'adore ce biome et en plus il est super beau. Oh non, génial, regardez là-haut, on a un village PNJ, parce que depuis la 1.10, dans les biomes, comme par exemple le biome savane, on a l'acacia, et ben les biomes sont adaptés, enfin les villages PNJ reprennent les ressources de ce biome. Donc là on a pile poil un village PNJ. Ah, c'est génial ça. En plus on va avoir les bibliothèques normalement. Attendez, c'est où? On va avoir les bibliothèques mais... Tac tac tac. Aïe. Ah voilà, elles sont là. Sont là les bibliothèques, donc ça c'est cool. Franchement, les nouveaux villages là en 1.10 sont vraiment classe. Faut savoir aussi qu'il y a les nouveaux mobs, c'est-à-dire que il y a un nouveau squelette, je crois, pour le désert, ou c'est un nouveau skeleton. Squelette ou skeleton, je sais plus. Squelette ou zombie. Squelette et skeleton, c'est la même chose. Donc écoutez, je fais ma petite maison, puis on se retrouve juste après, dès que j'ai fini la construction de ma maison. Ou alors je m'installe dans une des maisons de villageois. Je ne sais pas encore. Puis là on a encore des bibliothèques. Je sais pas si c'est la maison que je vous avais présentée il y a 2 secondes ou pas. Ok, re les amis, donc on a fait une petite ellipse de 10 minutes avec Cario. On a installé essentiel parce que ça nous pète les couilles. À chaque fois qu'on meurt, on est obligé de parcourir 500 voire 1000 blocs à pied. Donc c'est assez chiant. Donc comme vous pouvez voir, on a juste installé essentiel pour faire un set home. Le flight pour l'instant, on n'est pas autorisé, on va pas le faire. Après on verra par la suite si on l'active ou pas. Donc moi je vais faire un petit set home. Et voilà, on a notre maison. Il m'a kick et j'ai tué. Alors j'ai torché à mort le spawner. Bon allez, petite ellipse. Parce que là comme vous pouvez voir, la maison avance assez bien. Donc je vais continuer hors caméra. Et on se retrouve dès qu'elle est terminée les amis. Ouais ça va, j'ai... Et un creeper m'explose juste à côté. Tu sais, Cario est ici. Et à tout de suite les amis, et là t'entends, boum, je me tourne, creeper qui me fait un trou devant ma belle maison. Bah là je suis tranquille, j'ai des name tags, j'ai des sauts. Oh nice, du fer, on a du fer les amis, on a du fer, nice. Merci fucking creeper qui se croit pour un terroriste. Ah ça c'est nice. Je sais pas combien j'ai de fer, mais là, 5, 6. Ah 6 fer, ça c'est cool. C'est cool, bon allez, ellipse et potes, on se retrouve juste après.
Re les potes, c'est de l'autre goût du montage, je fais juste cette petite séquence vidéo pour vous expliquer, on a installé Essential, mais en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé aussi Group Manager, donc on CD hop, au moins vous êtes sûr qu'on se met pas en game mode 1, qu'on fly, etc. Donc là vous avez tous les privilèges qu'on a accès, tout le reste n'est pas autorisé, donc là je vais vous montrer, hein, si je fais game mode 1, vous voyez que ça ne fonctionne pas, si j'essaie de faire par exemple ça, je vais pour le vanish, ça ne fonctionne pas non plus, donc voilà, c'est une petite précision que je voulais faire, et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage pour la suite de la vidéo. Ouais. Alors du coup les amis, on se retrouve, donc comme vous pouvez voir, la maison continue d'avancer, en fait, tout le milieu ici, je vais mettre du verre qui est en train de cuire, qui est juste ici. Ensuite je sais pas encore comment je vais m'organiser, donc je vais juste prendre mon verre, voilà. Je sais pas comment je vais m'organiser, peut-être que au dessus là, je vais peut-être mettre une deuxième couche d'acacia, genre comme ça. Et là après je vais faire le toit, et après on va faire un toit comme les villageois avaient fait. En fait la maison de base s'arrêtait je crois à peu près ici, et puis j'ai voulu l'agrandir histoire d'avoir un peu plus de place. Donc je continue un petit peu d'avancer, enfin d'aménager plutôt, et on se retrouve. Et là je crois que j'ai trouvé une caverne, mais encore une fois c'est une bite, c'est pas une caverne. Ah je suis con, si on avait le fer, je suis trop con. Bon allez, moi, à tout de suite. Sac de fer, hein, mais tranquille. Eh hey, les gars, je minais mon bois parce que j'ai besoin d'un. Et là regardez ce que je viens de voir, une grotte qui a l'air de s'enfoncer. Donc je suis dans ma maison et on va tout de suite visiter cette grotte. Bah, une fois que la maison est finie, hein. De toute façon, allez, pour ainsi dire, finir. Je mine les derniers morceaux de bois pour finir le toit. Je mine ça, voilà. Voilà, la maison est juste là-bas. Mon carreau qui m'a rejoint. Bonjour. Ouais. Ouais, ça a été dur de te rejoindre. Hein. T'es super loin de chez moi. Mais il y a à peu près 1000 blocs, je crois, qui nous séparent. Donc, ouais, c'est parti. Bah, 1000 blocs, hein. Ouais, ouais. Hop là. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre le bois correctement, comme ça. Hop là. De quoi ton village il habiterait ? Ouais, non, non, non. Il faut payer un loyer. Il faut payer un loyer. Ta gueule, allez. Allez, je mets le 7 world spawn ici. Comme tu veux. Donc voilà, la maison est pour ainsi dire finie, les amis. Donc j'espère qu'elle vous plaît. Peut-être que là, je vais mettre du bois d'acacia. Le bois que j'ai dans la main. Donc ça on verra au prochain épisode, parce que niveau des coups je suis déjà assez bien. Bon, il y a encore quelques petites choses qui ne vont pas, que je réglerai moi-même par la suite. Puis quand on rentre, voilà, super grand, le sol est super beau avec les bibliothèques. Donc je fais une ellipse, 2 minutes le temps de vider un petit peu parce que j'ai masse de trucs sur moi. Je prends un peu de bouffe et on se retrouve dans la grotte. Bon allez, c'est reparti les amis. Alors là on est dans la grotte, c'est parti. Donc on va descendre. Donc j'ai de la bouffe, enfin un peu de bouffe, et j'ai pas de bloc, génial. Donc slash home. On va prendre, je sais pas. Hop. Allez, hop, les voilà. Amis, vous voyez pas que le slash home c'est quand même cheaté, c'est juste pour un peu nous aider un petit plus quoi. Ouais ouais. Ah putain, j'ai pas de torche non plus moi. Ah ah, et un zombie. Hop hop, voilà. Je me suis fait une petite épée et une pioche en fer avec les six fers qu'on avait trouvé avant. Donc ça va nous aider. Alors attends, j'ai juste mis un peu de charbon pour pouvoir quelque chose. Eh, ils ont mis un nouveau truc. Ils ont mis quoi? Quand tu casses les blocs en 1.9, ouais. T'es d'accord que ça te met la barre de rechargement? Il me semble, ouais. Mais quand tu casses un bloc, t'as plus à recharger. Je sais pas, ça fait que logique. Alors les amis, j'en profite avant d'oublier. Les couillons sur Minecraft sortent tous les mercredis à 16h sur ma chaîne et à 19h sur la chaîne de Cario. Si tout se passe bien. Que pour la semaine prochaine. Ouais, sauf pour la semaine prochaine parce que Caru est en stage. Eh hey, mais j'en ai marre, je me suis encore fait enculer pour une grotte, putain. Désolé mon langage, ouais. Désolé mon langage, mais j'en ai marre de me faire trouver, j'ai que du charbon quoi. J'ai que du charbon, ça saoule quoi. Mettez-vous à ma place quoi, vous êtes content, vous dites oh, un trou, cool, je descends. Je me dis, il y a une mine. Bah non. On va contre le charbon, je mine parce que ça évitera d'utiliser le bois que j'ai de côté. Parce que le bois de côté, je peux faire
peut faire pas mal de choses avec, donc c'est dommage de l'utiliser inutilement, j'ai envie de vous dire. Alors, on va essayer de descendre en mode complètement con. 44 de hauteur quand même. On va essayer de descendre. Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite ellipse le temps que je trouve une bonne grotte, et on se retrouve dès que j'ai trouvé quelque chose. Ouais, je me disais bien que j'entendais de l'eau, les amis. Tout ce qu'on va faire, c'est que on va baisser le son parce que ça va vous démolir les oreilles. Donc là, c'est cool. J'ai réussi à trouver une petite grotte. J'espère que qu'elle se prolongera bien. Donc, comme vous avez vu dans la précédente séquence, j'ai trouvé un peu de fer. Donc là, on en a 9. Donc ça va vraiment être ça va être cool. Bon, minage. Minage de rien bien intéressant. Dites-moi si vous voulez quand même que je filme un peu plus ce que je fais. Par exemple, la construction de la maison, j'ai filmé en étapes. Là, le minage, je vais filmer un petit peu comme ça pour faire un peu de vidéo. Oui, ouais, excusez-moi. Ouais. Non, bon, allez, pète le creeper, ça me fera un trou. Voilà. Oula, par contre, j'ai des araignées de merde. Non. Voilà, moi je m'enferme 2 secondes parce que voilà quoi, je suis qu'un thug. Là voilà, le starnier. Surprise, salope. Ok, c'est bon. Allez, plus de ce monde. Faut que je recrave des torches. Hop. Ok, ça va me péter les couilles. J'espère que t'as pas trop entendu quand ça a gueulé chez moi. Non, t'inquiète. Alors, bon. Qui sont là? Ouais, ils sont là. Pourquoi ils arrivent à me taper de là? Est-ce que c'est de merde? What? Hop, allez. Allez, Jean-Michel est mort, il reste plus que Jackie. Et Michel? Non, Michel il est mort, il reste plus que Jackie. Voilà. Faut que je bouffe un coup, moi. Attends, je reviens à ma peine. Ok, à tout de suite. Hop là. Ok, donc là, il y a un creeper. Bon, les pets, ça m'avantagera. Voilà. Hop. Attendez, on va essayer que le creeper tue le zombie. Ouais, merde, il n'a pas tué le squelette, par contre. Faut vraiment que je regène là sur le coup. Je sais pas en quelle difficulté on est. Enfin, c'est le serveur qui décide. Ah, on est en easy. Ok. Ah oui, ok. On est en facile, donc c'est cool. On verra avec Cario si on monte. Si on augmente la difficulté ou pas. Donc voilà. Ce qu'on va faire, un set home mine. Voilà. Donc normalement. Ok. Pourquoi j'ai le home bed, c'est quoi ça? Ça va peut-être être le home de Cario. J'en sais rien du tout, honnêtement. C'est assez bizarre, je dois vous dire. Bon, la redstone, on va en prendre, ça peut toujours être pratique. Bon, ça vous plaît pas, hein, vous pouvez toujours avancer, hein. Y'a pas de problème. Hop, voilà. Ce qui est cool là, c'est qu'on a vraiment pas mal de fer. Donc là, on en a pas mal. J'ai rien dit. On a peut-être un demi-stack. Je sais pas. Attendez, on va ramasser ça. On en a 29. On a même pas un demi-stack. Bon, c'est pas grave. La redstone, on en a un petit stack. Après, j'en ai pas plus besoin que ça. Ma pioche est morte. C'est génial. Donc, bah, home. Ok, j'ai qu'un fer. Bon, on va faire chauffer ça. Donc je fais une ellipse, le temps de me recrafier une pioche en fer. Puis on se retrouve dans quelques instants.
tard, puisque comme j'aime pas trop les nudistes. Ah merci. Je suis pas encore nudiste. Si t'es un nudiste sans armure. Bah je sais pas, regarde les villageois, ils sont tous nus. Alors les amis, on se retrouve. Juste, il faut savoir que avec Cario, les vidéos, on peut les faire sur plusieurs jours. Alors, là, je suis sorti de ma maison, on va chercher l'erreur qu'il y a au village. On va chercher l'intrus du village. Donc voilà, donc, je sors de ma maison, voilà, normal. Et vous me dites ce qui cloche dans le village, voilà. Moi, je vous fais un tour d'horizon, 360 degrés. Et vous me dites dans les commentaires, c'est quoi l'intrus, tout simplement. Bon, c'est assez simple à détecter, mais bon, c'est jamais. Dans les commentaires, c'est quelle maison la plus belle. Ouais, ouais, vous me dites ce que c'est l'intrus et vous dites quelle maison vous préférez. Ça, c'est ma maison, voilà, BGBG. Et la maison de Cario qui est là, qui a un style médiéval. Donc voilà, cherchez l'intrus et vous me dites ce que... C'est quoi l'intrus dans les commentaires de la vidéo. Puis voilà. Personnellement, j'aurais fait me faire un sous-sol, donc bah, c'est parti. Voilà les amis, le sol est enfin fini, donc j'ai mis des escaliers. Voilà, donc ça a grandi encore une fois la maison. J'ai fait un système de grenier, mais bon, on peut mettre quelques coffres, donc ça peut être cool. Donc la maison franchement a de la gueule, elle est assez grande, donc ça c'est vraiment cool. On a un petit grenier avec un sous-sol. Là j'ai mis des demi-dalles parce que... J'ai mis des demi-dalles parce que le bloc complet ça faisait assez moche je trouve. J'ai juste enlevé les bûches là parce que ça fait... de les enlever, j'ai plus de hache. On voit ce que ça rend. Donc la maison est vraiment classe. Donc dis-moi ce que vous préférez dans les commentaires, comme on avait dit à Cario. Donc si vous préférez ma maison qui est celle-là ou sa maison qui est ici. J'espère que ce premier épisode des couillons sur Minecraft vous aura plu. N'hésitez pas à like, commenter et partager sur les réseaux sociaux pour faire un peu connaître la série. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour continuer à suivre nos aventures. Ça sort tous les mercredis à 16h sur ma chaîne et tous les mercredis à 19h sur la chaîne à Cario. Je tiens juste à m'excuser parce que sur cet épisode, c'est vrai que j'ai coupé pas mal de fois la parole à Cario et c'est assez chiant en regardant l'épisode. C'est vrai que c'était assez chiant, donc je suis désolé auprès de lui, auprès de mes viewers et de ses viewers parce que j'avais pas mal la gueule ouverte pour son épisode et dans le mien aussi et que je lui coupais carrément la parole. Donc écoutez, c'était Dango, gars la forme et à samedi ou dimanche pour une nouvelle vidéo.